na yene na zwino bi e sansola 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 kuna e kulusu kuna e akufeli basoma binyo. Avant de commencer cette deuxième journée, bien aimé, je voudrais que chacun de nous puisse se recommander entre les mains de Dieu. Nous sommes venus apprendre. J'ai l'habitude de dire ceci. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Personne ne peut inventer ses propres textes et venir nous prêcher. Tout ce que nous prêchons tous les jours, dans toutes les églises de Dieu, ont déjà été prêchés des millions de fois. Et si quand on dit la femme qui avait la perte de sang, ça a déjà été prêché. Papa, si Pharaon, oh Pharaon, ça a déjà été prêché. Jean 3:16, ça a déjà été prêché. Mais le problème est que Dieu chaque jour renouvelle sa grâce et sa grâce. Cela veut dire dans le même texte qu'on t'a prêché 10 000 fois, c'est dans ce même texte que Dieu te donnera de nouvelles révélations. Amen. Amen. Je me rappelle la première fois ici à Kinshasa, quand on a fait la première conférence sur la vision et le leadership. J'ai encore les images des serviteurs de Dieu, d'autres qui s'étaient même répandus, parce qu'ils s'étaient dit que moi-même j'ai prêché sur la vision. J'ai lu des livres sur la vision. J'ai entendu beaucoup des hommes de Dieu parler de Mais cet homme qui vient de Paris, qu'est-ce qu'il va nous dire de lui? Mais après avoir suivi la conférence, beaucoup s'étaient répandus. Vraiment, j'ai suivi la vision plusieurs fois. Mais je n'ai jamais entendu. Alléluia. Amen. Je ne me vante pas.
Mais c'est comme ça, bien-aimé. Et ça, bon mot. Sinon, fermons la Bible. Puisqu'il n'y a aucun texte que tu peux nous ramener de nouveau. Ah, il y a des techniques pour côté au moins la cita. Alléluia. Mais tout dépend. Mais l'ongé dans de la grâce et de la révélation. À peine mon ici. La loi a boué deux fois. N'a pas sauvé ta tâme à mon corps pour l'excellence. Même pour nous. Même Nembi. Et où tu dis la mort. Ma foute à gaga moua. Ma zuba maman 5. Ma pèse ma roba lamba. 5 goûts différents. Alléluia. T'as pour nous mon corps. Comme ça, bien aimé. Yala ba goûter pe yanga. Koyoka ko pesa pimbo. Zamba pambola. Amen. Alors recommandons entre les mains de Dieu. Toti kama boko na zambe. Dis Seigneur, je ne suis pas venu passer mon temps pour rien. Ne ba kona ko le satan ko pambola. Quand tu as dit que nous devons rechercher la connaissance. Je suis venu rechercher la connaissance. Seigneur, augmente un plus dans mon ministère. Augmente un plus dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Recommandons-nous, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, je viens me recommander entre tes saintes mains. Que ta grâce coule sur moi, Père de gloire, pour pouvoir transmettre l'insigne de l'Éternel, afin que ton peuple puisse être sauvé. Père de gloire, bénis les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Seigneur, ouvre leur esprit afin qu'ils puissent capter ce qui vient de toi. Et je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Mettez l'ensemble de ma bonne compagnie. Prenez place. Je suis ici. Nous sommes en train de parler de la vision et le leadership. Bien-aimés, ces mots sont attachés. Ces mots leadership et vision sont des mots qui sont attachés. On ne peut pas parler de leadership sans parler de la vision. C'est pour être un leader, tu dois avoir une vision. Quand tu as la vision, tu sais que tu es un leader. Donc c'est ce que nous avons vu hier. Et aujourd'hui on va essayer de progresser. Parce que hier on n'avait pas vraiment avancé. C'était l'introduction. Alors nous avons tourné hier sur un texte. Le texte de Exode chapitre 25 verset 9. Le texte d'Exode chapitre 25 verset 9. Alors bien aimé, dans ce texte il est écrit ceci. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Vous ferez les tabernacles. Donc cela veut dire les ustensiles, même les micros, même les fleurs, même la chair, pas seulement les bâtiments, mais tout ce qui va se retrouver dans les tabernacles. Vous allez le faire, mais seulement d'après les modèles que moi Dieu, je vais te montrer à toi Moïse. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous comprenons par ce texte? Que tout le peuple devait être impliqué dans la construction du tabernacle. Comme vous le savez, il y avait des gens qui ont donné leurs bijoux, et ça, qui ont donné leur argent. Ça, c'était leur contribution. Parce que tout le peuple devait contribuer à la construction du tabernacle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, vous tous, vous devez construire le tabernacle et tous ces ustensiles. Mais seulement d'après les modèles que je vais te montrer à toi. Nous avons compris hier que le tabernacle concernait tout le monde. Et mais côté, ça va tout le monde devait s'y mettre. Mais les modèles, c'est seulement Moïse et ça, Moshe, qui les connaissait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? J'ai dit, Nalobi, nous tous, nous devons construire l'église. Et c'est que toi, ton nous allons tous
contribuer pour acheter les chaises, pour acheter les micros, pour acheter les fleurs, pour acheter la chair, pour acheter les instruments, nous tous. Mais tout ce que nous allons faire, les modèles, Dieu a montré à un homme. C'est le pasteur de l'église. Ah, des pasteurs de l'église. Notre leader. Alléluia. Amen. Donc si nous pouvons comprendre, ce qui cela, on ne discute pas de la vision. Puisque c'est le visionnaire ou le leader, c'est lui qui a vu le modèle. C'est lui que Dieu a montré le modèle. Dieu ne montre pas le modèle à tout le monde. Dieu montre le modèle à un homme. C'est pour cela. Je parle avec beaucoup de réserve hein, pour ne pas heurter certaines personnes. Pour tout le monde soutenir. Le modèle collégial dans l'église est diabolique. Bandela papa. Le modèle collégial dans l'église est diabolique. Au Satan. Alléluia. Amen. Puisque Dieu ne montre pas les modèles à un groupe de gens. Dieu montre seulement à un homme. Même quand Moïse était mort, Dieu a parlé seulement à Josué. Il n'a pas parlé à Caleb. Mais Caleb était avec Josué. Mais Caleb n'a pas vu les modèles. Mais Caleb a montré que Josué, lui et lui seul. Tous les modèles collégiales. Ça ne marche pas. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Où est parti l'Angalangasta? Sept patrons. Sept patrons. Et tous avaient la vision. On a vu la Mouka. D'autres ont retiré leur signature. Alléluia. Ah, c'est bon, hein, qui ça, c'est la nature. Quoi, ça, ça ne marche pas. Et que les mots dans une église. Mais église, on ne peut pas avoir deux leaders. Ah, parce que nous sommes là, ma cambina du son bangwana. Non. Mon cambina du son. Yehoana. Comment on dit? Naïne mon cambi. N'a pas pensé à moi autorité. Ah. Soko salim bien te la retira. Non. La folie moutoussou. Nous avons vu hier. Nombre 11. Nombre 11. 16 à 17. Dieu dit à Moïse, tu dois choisir 70 anciens. Les gens qui te sont soumis. Les personnes à qui tu as l'autorité. Et je vais prendre l'esprit qui est en toi. Je vais déposer sur eux. Donc, Dieu donne l'autorité au leader. Dénommé. De choisir. Alléluia. Amen. Non, ah, chef Azate, visionnos. Dans la Bible, nous sommes un frère. Même le papa de nos frères. Frère André, papa. Alléluia. Amen. Attends pour toi. Ma paix, ma casse. Bible, le lobby. Bosse la abomination. Oui, ça n'a pas beau quand on est commis. Moi, François. Papa, mon corps, François. Alléluia. Amen. Dans l'église, je conseille aux jeunes de respecter les personnes qui sont plus âgées. Même si tu es diacre, tu es prédicateur, tu es modérateur, il y a une maman qui peut être ta maman. Moi, je ne l'appelle pas soeur, je l'appelle la maman. Benaï maman. Alléluia. Benaï maman. Oui, il est mon pensée. Alléluia. Amen. Paul a conseillé à Timothée, respecte les personnes qui sont plus âgées que toi. Même moi en tant que pasteur, je respecte les mamans de l'église. Les femmes qui sont moins âgées que moi. Je ne les appelle pas Marie. J'appelle Maman Antoinette. Mais je suis plus âgé qu'elle. Parce que je lui dois du respect.
Si tu l'as raté dans ta famille, si tu l'as raté à l'école, l'église doit faire la pédagogie, éduquer les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu doivent être des modèles. Alléluia. Amen. Dans l'église, n'avez-vous qu'à savoir. Les frères modérateurs. Ces frères-là. De quoi parle-t-on? Oui, ma système à qui? Qui est si beau quand ça va quitter, mon temps d'azur quitte la canise. Il y avait une maman, l'équipe est finie. Maman, comment ça qui? C'est si. On est allé ranger sa chaise. Pas de comment ça qui c'est? La maman était en train de parler avec une autre maman. À ce moment-là, maman. Écoute les modérateurs. C'est. Donc, ce jeune homme-là pouvait avoir les 23 ans. À cause de ma 23 ans, la maman pouvait avoir 70 ans. Comment tu peux parler comme ça, une maman? Attends, tu viens de son action. Comment ma maman va tout bon? Et comme une vendredi a fait, si on modérateur a pas pu ça, communiquer. Oui, mais veillez à l'île. Peut-être que la retraite est malamoko. Vous passez à la tête. Surtout le roi de bandits boy, et puis ma maman. Dis-moi la mouquée. Abattez. Dans mon avis, on va passer. Ça, c'est quoi? Quelle éducation? Pas l'éducation de base. Non, à l'église, on doit savoir comment respecter les personnes. Mais qui est-ce que tu m'as dit que tu es charade? Est-ce que ma maman va voir la maman? Il y a ma maman la bouche. Je vais vous passer. C'est ma paix de ça. Attends, donc, tu es à moi. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, merci qu'ils soient dans cette conférence. Dans cette conférence, ça touchera tout le monde. Et aussi, ma tenue, ça touchera tout le monde. Et aussi, ma tenue, vous ferez les tabernacles. Et ces extensibles, d'après le modèle que je vais te montrer. Donc nous comprenons que la personne qui a le modèle, l'architecte de l'ouvrage, c'est le leader. Même si lui ne connaît rien, mais c'est lui qui vous guide. Bah, monsieur, vous ne pouvez pas venir dire. Non, pasteur, ma camarade, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui va vous dire. Vous chanterez comme ça. Moi, j'aime plus d'adoration. Moi, j'aime comme ça. Pas beaucoup de cris. C'est lui. Parce que c'est lui qui a la vision. Alléluia. Ma maman va faire la réunion là-bas. Pasteur a la réunion à maman. Oh, yo, mais pasteur, ma maman a basse aux côtes. Bon, ça, wapi, n'a qu'à sa vision. Il est partout. Puisque c'est lui qui a les modèles. Il doit vérifier tous les chantiers. Il vérifie tous les chantiers. Pasteur. Yo te aime ce qu'a dit l'Oba. Ma maman est à l'Oba. Puisque c'est moi qui ai la vision. Je circule partout. Je suis malade partout. Pour vérifier les chantiers. Si c'est en bon état. Ce que ça t'a madame. Nambongo. Alléluia. Partout. Nambongo, papa. Les jours que ça me plaît. Je viens à l'Écodine. Pour vérifier comment ça marche. Le pasteur a la responsabilité. Non, matinal. Même s'il ne connaît rien. Moïse n'était pas maçon. Moïse n'était pas menuisier. Hola. Mais c'est lui qui dirigeait les menuisiers professionnels. Il dirigeait les maçons professionnels. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si je suis revenu sur ce point.
C'est très capital. Quand Jésus, on était dans l'église ici, la pierre angulaire. J'ai vu maman Salomé. S'opposer au pasteur. Et c'est elle qui m'a raconté. Pasteur Isaac, il m'a réuni ma maman qui a maman Salomé, c'était une erreur. C'était son devoir d'être là. C'est lui qui se passe. C'est lui qui a le modèle. Quand on donne le modèle. Donne même les mesures des chambres, les mesures de la cuisine. Il va vérifier la chambre, la cuisine, les chambres des enfants, le salon. Il va vérifier si tout est fait conformément selon le modèle que tu lui as donné. Les chambres appellent ça qui est. Hola. Akoya na wese. Ota ko diskanios. Oki simati akoya. Dans quelle église moko? Nai baso benye omniprésent, omniprésent. Omniprésent, on a besoin de comprendre. Nous devons refaire nos églises. Et c'est que tu parles là. Puisque les églises, chacun à sa manière, chacun à sa façon. Or, l'église est une image de Dieu. Quand nous avons défini la vision, nous avons dit que la vision, c'est une image que Dieu montre à son serviteur que nous appelons les leaders. Et Dieu montre seulement à un homme. Zamba les sagas na moto moko. Il montre seulement à un homme. Na moto moko. Pas à un groupe de gens. Mais bien le matuté. Dieu avec Jésus Christ avec Pierre. Yes, ma Pedro. La Bible dit quoi? Qui ils étaient nombreux. Parce que bien. Mais et ils entendaient des bruits. Bango kaka makile. Paul entendait la voix distinctement. Mais Paul a dit il parlait à Dieu. Mais les gens qui étaient avec lui ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est ça la vision. Et Dieu a dit à montrer à Paul la vision que tu souffriras pour moi. Je t'enverrai parmi les grands. Tu vas rencontrer les rois. Je vais t'élever. Et tu vas souffrir pour moi. C'était la vision que Dieu donnait à Paul. Mais les gens qui étaient avec Paul ne comprenaient pas. Ils ont pris Paul pour l'amener à la maison d'Ananias sans savoir qu'il vient de recevoir une vision. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Les choses de Dieu, on ne fait pas n'importe comment. Hier, je vous ai expliqué. Il y a des gens qui voient, mais qui ne savent pas ce qui est caché derrière. Où ça voyait? Comment les sacrificateurs transportaient l'arche? Mais un jour, il a dit à Naïebi, quand il a essayé, c'était la mort. Beaucoup de gens sont morts spirituellement à cause de la vision. On ne blague pas avec la vision. Vous n'êtes pas professionnel. Toute sa vie, 40 ans, il a passé comme prince dans la maison de Pharaon. 40 ans dans le désert. Donc 80 ans sont passés comme ça. Et les quand il entre dans le ministère, mais c'est la vision qui arrive. Et moi, je suis né. Que merci. Tu dois bâtir le tabernacle. D'après les modèles que je te montre. Il y a maçon T. Il y a menuisier T. Il y a charpentier T. Il y a forgeron T.
ayebe loko moko te menza malobi modèle kaka oyo ngana like sio. Cela veut dire c'est Dieu qui qualifie. Ça ben dans chaque mala pas les études ça classe Dieu qui qualifie. Ne viens pas me dire passez mon matin à thé passez un temps à thé place un nez à Zolobala. Être un leader, ce n'est pas le français. D'ailleurs, Jésus n'a pas parlé le français. Yes, vous parlez français. Pasteur mon banana terre en français. Et Maxime. Ça, c'est une qualité d'un visionnaire. Il n'est pas complexé. Il reste serein. Tel qu'il est. Puisque c'est Dieu qui l'a qualifié. Ça, ben Chinese. Moïse, pardon. David. Là où il dit. Il n'a pas fait l'école de guerre. Hein? Mais Dieu l'avait qualifié. Mais ceux qui avaient fait l'école de guerre. Bon, bah, il y a Abinadab, Shama. Il ne pouvait rien devant Goliath. Si Dieu te qualifie. Ce qui attends, il français, tu as un chilouba. Quel est le chilouba? Oh my God! You are my God! Oh my Jesus! Alléluia! Oh Daddy! Papa, mon est danger. Prince de l'or! Oh, pas loin ça! Mais continuez, frère! Donc, il y a des choses, non, mais il alléluia! Amen! Oh God! Thanks to Jesus! Oh God, Spirit! Thank you, Jesus! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Power! Oh, son, cause à la béni in. Zamba benga ka mutu na particularité na ye. Obet pa mo koto. Quand j'ai commencé le ministère. Dans la basse de Tchomo. À Paris. La poto. Un frère m'a dit. Donc, bon, c'est là. Il vient de l'Angola. Oh, c'est l'Angola. Pasteur, tu vois, hein. Pour battre mon univers de l'impact. Pour ton mini de sa poto. Quand tu prêches, il faut sauter. Il faut faire des choses. Qu'on n'y a rien à la. Ok, je vais essayer. D'accord, ben. Bien aimé, j'ai commencé. Ah, vas-y, saute. Pousse, il y a un boucan. Aïe. Non. T'es. Être leader. Ici. Il faut être authentique. Je vais vous faire. Pour cela, vous verrez un vrai leader. David, le vrai leader. David, mon temps, monsieur. Pour affronter Goliath. Pour quel moment de son Goliath. Saoul nous dit. Saoul a dit si. Saoul, il a essayé de marcher. Avec ta mort. Je me suis battu contre l'ours. Je me suis battu contre le lion. Je ne fais pas ça. Je suis sorti victorieux. Je suis sorti victorieux. Je suis sorti victorieux. Un vrai leader ne copie pas. Yoga. Il ne copie pas. Yoga. Comme j'ai dit hier. Yoga l'a dit l'homme. Puisque l'église soit des saliboy, il n'a qu'un fils. Saliboy. Moi je ne parle normalement. Moi c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Là il y a encore une révélation. Ah ouais, il y a des bonnes révélations. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les tabernacles, c'est l'église. Et c'est l'église. C'est l'image de l'église. Et c'est l'image de l'église. Vous construirez l'église. Vous tous, vous allez construire l'église. Moi, j'aime pas les gens, les bandits. Sans exception, tout Moïse devait travailler pour la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? C'était la vision que Dieu leur avait donnée. Tout le monde devait s'impliquer. Le tabernacle, c'était la vision. Merci. Donc, nous pouvons dire ceci, que tout le monde doit être impliqué dans la vision. Et le tabernacle, c'était ça la vision. Donc, tout Israël devait s'impliquer.
prophétise à la vision. Tout le monde. C'est pour cela la Bible dit. Celui qui se retire. C'est celui qui détruit. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit travailler pour la réussite de la vie. Alléluia. Tout le monde, sans exception. Puisque celui qui se retire, c'est l'ami de celui qui détruit. Donc Dieu dit déjà, tous ceux qui ne travaillent pas pour la vision sont des amis de Satan. Nous pouvons dire ceci, que la vision concerne tout le monde. La vision concerne tout le monde. C'est pour cela la vision pasteur doit même être écrite. Habakkuk a dit, grave cette vision. Comment pour que tout le monde la lise couramment. Tout le monde doit avaler la vision. Respirer la vision. Proclamer la vision. Pour que tout le monde est impliqué. Quelque part, j'ai béni les Congolais. Je vois aujourd'hui, la politique a pris l'ascendant sur la musique. La bonne politique est juste au long de la musique. Tout Congolais est devenu politicien. Alléluia. Tous les Congolais connaissent l'article 64. Tout Congolais connaît les choses qui concernent, puisque l'affaire du Congo nous engage tous. Où est la députée? Tous. La vision concerne toute la communauté. Toute la communauté est concernée par la vision. Cela veut dire toute la communauté doit travailler pour la vision. Mais seulement la vision est donnée à une personne. La vision est donnée à une personne. C'est tout le peuple qui est concerné par ça. Nous devons faire très attention. Très attention. Parce que ces choses bien aimées, ça peut nous disqualifier. J'ai dit hier que la vision est personnelle et ne se partage pas. La vision ne se discute pas. Oh, pasteur, tu vois la vision, hein? Les a bien, mais on adhère à la vision. On ne discute pas à la vision. Mais alléluia. Amen. Moi, je suis congolais. Je vis en France. La France, dans la France. La France a sa constitution. Ah, France, c'est ça, c'est à moi de choisir. Si je veux devenir français, je suis là comme un français. Ou si je ne veux pas devenir français, je suis là comme un français. Mais si je veux devenir français, je suis là comme un français. On me montrera la constitution française. Bah, voilà, c'est là, pour s'il y a des choses que moi je ne veux pas, si par exemple, il y a les droits de l'enfant. Là-bas, on ne frappe pas les enfants. On tu frappes l'enfant ou tu frappes ta femme, tu vas en prison. Je dis non, non. C'est à moi. Je n'ai pas le pouvoir d'aller discuter. On change cette position à ma faveur. Non. On adhère. Mais on ne discute pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame un peu pour mes amis. On ne discute pas. Tu viens dans cette église. Oui, l'église a cessé. La femme prêche. Ma santé. Tu le sais. Oui, oui. Maintenant, tu commences sous pasteur. Dans la Paul à l'Oba. Au bandit qu'on nous a corrompre vision. Non. Tu veux changer la vision. C'est à toi de voir. Ah, église, voilà moi sa terre. Dans la roquette d'été. Alléluia. Amen. Et quand tu ne viens pas, tu es libre.
Et quand tu viens pour commencer à combattre, non, il faut que la femme se taise. Non, laisse-les avec leur vision. Moi, je ne peux pas aller dans l'église de Pévalon pour le prêcher. Arrêtez d'utiliser l'eau. Non, je ne peux pas aller chez les musulmans pour les dire, n'entrez pas les pieds nus. Même chez les kimbanguistes. Quand je vais là-bas, c'est le oui et l'amen. Soit j'accepte ce qu'ils sont, soit je n'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu verras dans des églises, quelqu'un qui est dans une église, mais qui ne partage pas la vision. Pourquoi la bonne santé? Je vous passe la terre à la télévité. Papa Zo, ça le monte. Quel est l'ordre? Bimana. Bimana yo, Zali, Prima. On ne discute pas la vision. On adhère à la vision. Alléluia. Amen. Faut pas discuter la vision. Celui qui reçoit la vision doit être convaincu que Dieu lui a parlé. Ah, et c'est lui à tous ceux qui s'arrêtent. Ça me coûte. Donc le leader. Quand il reçoit la vision, il doit être convaincu que Dieu lui a parlé. Car maman m'a dit l'église. Nous avons hôtel Sanga. Nous avons aussi la Bible Zotère. L'homme qui est sombre, maman, c'est un bon d'envoyer. Non, il n'y a pas de maman à pour. Mais ce n'est pas comme ça. Bon côté. Bon côté. Tu dois être convaincu de toi. Mais c'est lui qui s'en va. Mais Dieu te parlera toi-même. On ne devient pas l'idée à cause d'une prophétie. Dieu te parle personnellement. Aujourd'hui, il y a le pasteur fait par la prophétie. Oh là. Passez la loi. Le prophète de l'Église, on est la 10 personnes. Même le prophète Isaac, comme il est ici. Attends, on s'en va. Il peut venir te dire, avant ça, frère, dans l'hôtel, ça va, au nom de celle là. Ça ne s'arrête pas là. Bon, il faut que toi-même, Dieu te parle. Il faut que tu aies le serviteur, il fait par les hommes. Mais il y a le serviteur aussi, fait par le diable, comme il y a le serviteur, fait par Dieu lui-même. Et c'est pour ça que tu veux rester dans le ministère, il faut que tu sois un serviteur, établi par Dieu lui-même. Il faut que tu aies le. Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Voilà. Nous avons l'exemple dans la Bible. Nous voyons les jeunes Samuel. Comment on a fait le. Déjà, le sacrificateur Élie savait déjà que Samuel était un serviteur. Il le savait. Puisque c'est lui qui a encadré. C'est lui qui a appris la parole de Dieu. C'est lui qui a appris à craindre l'Éternel. Mais pour le ministère, mais pour le temps, il fallait que Dieu lui-même puisse confirmer. Voilà. Dieu a parlé à Samuel. Samuel, trois fois. Bien aimé, l'appel de Dieu doit être confirmé. Pour Dieu, mon Seigneur, maman. Les athées pour t'attendre dans un pasteur, athées au pasteur. On reçoit la lancée là. Et bénis le retour au monde à Bassini qui se pourquoi. Puisque à ce moment-là, je me suis simbaté. Atia ma colère, je suis simbaté. Atia ma boko, je suis simbaté. A boire comme maille, je suis simbaté. A pas comme ma foutre, je suis simbaté. Tola ta blanc blanc, je suis simbaté. Oh. Soli. Mawa. A quel Oluga. A quel Oluga Kissi. A Sibi Mouchoua. Allez, l'homme est mon nié. Ah. A comme il y a, t'écrit, nous c'est le guetabibi. Bon ami, sans qu'il n'y ait pas de problème, il y a comme si on a dit. Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiens. Là, mon sang, il y a mon abonnement. Ma main me protège. Oh, il y a mon Dieu, si tu es un serviteur établi par les hommes, je vous ai montré, je ne pas tout. On reçoit la kisse. Ah, on reçoit la kisse. Ma qui on est bon à la main. Il y a un besoin ma communion. L'homme n'a pas de talent à Facebook. Allez.
Pasteur, le bon nom de la cocotte. Barrière aux oreilles, T'as la cocotte, bien aimé. Bazou ma chèque, moi, nous passons la cocotte. Toi, mon ami, t'as la macam. Moi, ma bina Congo. Jésus. Sois un serviteur et ta message. Aux âmes d'achat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas cherché la vision. Hein? Moïse n'a pas cherché la vision. C'est Dieu qui a cherché Moïse. Ça pas Moïse. Hein? Je voudrais parler, bien-aimé, de l'alignement dans la vision. L'alignement dans la vision. Ou la vision dans la vision. Est-ce que dans une communauté, la communauté ou dans une église, ton église, c'est obligatoire. Et c'est plus que seul le pasteur puisse avoir une vision. Quand le pasteur est mort, c'est le ou moi aussi je peux avoir ma vision. Bon, comme le pasteur est mort, c'est le puisque comme nous sommes là, on est tous allés. Le pasteur Isaac a la vision. On fait les Isaac dans les visions, on a besoin. Mais peut-être les chantres, frère Chaco. Bah, il peut le voir Chaco. Lui aussi Dieu lui avait aussi donné la vision. Ça ne veut pas penser qu'il est mort, c'est. Est-ce qu'il doit rester dehors? Est-ce qu'il est banal? Attendre l'accomplissement de sa vision. Ah, c'est le quoi qui s'amène. Ou il peut aussi s'aligner à la vision du pasteur Isaac. Est-ce qu'il peut aller à la? Ça c'est une question. Et à mon tour, un frère prédicateur. Et Dieu ne lui avait réellement montré que je vais t'utiliser dans la prédication avec des signes de miracles. Est-ce que ce frère peut venir s'aligner à la vision du pasteur Isaac ou bien il doit rester en dehors? C'est un problème. Des conférences sont organisées. La conférence est pour régler certains problèmes. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Genèse 12. Nous avons dans Genèse 12. Le verset 1 à 4. 1 à 4. Genèse 12. Genèse 12. 1 à 4. L'appel de. L'appel de. D'Abraham. Yagama Yahweh. Écoutez bien. Yoka. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoute le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle à un homme. Cet homme s'appelait Abraham. Dieu lui a parlé. Et Abraham, tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter ton pays. Tu vas aller dans le lieu où je t'ai montré. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te bénissent. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras le père de la multitude. Donc Dieu donne une vision à Abraham. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Abraham partit. Abraham a dit, mais pas seul. Lot est parti avec lui. Non, Lot est parti. Mais Lot n'avait pas la vision. Mais Lot a dit le monde. C'était Abraham qui avait la vision. Abraham ne sait qu'il n'avait pas. Qu'est-ce que fait Lot, bien aimé? Lot est ce qu'il dit. Lot s'aligne à la vision d'Abraham. Le monde s'est dit Abraham. Abraham a partagé la vision avec Lot. Abraham, Lot, écoute ce que Dieu m'a dit. Lot. Que je quitte ici. Nazolongwao. Il va me bénir. Il va rendre mon nom grand. Il va bénir ceux qui vont me bénir. Moi, je dois partir. Lot, veux-tu venir avec moi? Lot dit, papa, je viens. Je vais te soutenir. Je vais être avec toi. Lot est parti avec lui. Mais Lot avait été sans vision. Mais il s'est aligné à une vision qu'on a partagé avec lui. C'était la vision d'Abraham. Alléluia. Amen. Comment commence l'église? Je suis devant le serviteur de Dieu. Comment est-ce qu'une église commence? C'est une personne qui reçoit la vision. Zamba l'opin dans la bande d'église. Il y a moins une bande d'équipe intercession. Ah, papa n'a pas na côté. N'a pas na côté d'intercession. Deuxième personne. Troisième personne. Bateau bazagi na vision.
mais bah écoute quand t'as la vision va expliquer bango que nzamba lobin giringiri awa kindokele ki makasi yango na linga si sa kindoki alingi na bande église allez batu ba écoute adhérer la vision ba s'aligner la vision alléluia amen. Avant de parler de la vision dans la vision, je parle d'abord de l'alignement dans la vision. Bien aimé, si tu crois à un homme, si tu es sûr de lui, quand il partage une vision avec toi, et tu es convaincu que cette vision vient de Dieu, aligne-toi derrière cet homme. Alléluia. Amen. Toi derrière cet homme. Même si au commencement il est faible, il n'a rien, il n'a pas l'argent. Mais si tu crois à sa vision, sache qu'un jour, cette vision s'accomplira. Cette vision se réalisera. Mobutu a fait sa vision. Mobutu, ça, c'est pas qui moi j'aime parler de l'hiver. Mobutu a fait une vision. Mobutu pas qui ne m'ont diriger le Congo. Il doit faire un coup d'état. Il va voir quelques généraux. Le général Koulufa, le général Masiala, le général, ils étaient nombreux. Ils l'ont accompagné pour faire le coup d'état. Pour que lui seul devienne président. C'est lui qui doit devenir président. Mais eux, ils ont risqué leur vie pour faire le coup d'état. Puisqu'ils ont cru à la vision de Mobutu. Alléluia. Yes. Et quand le coup d'état de Mobutu avait réussi, mais il devait être récompensé tous. Mobutu les a appelés les compagnons de la révolution. Ah, les compagnons de la révolution. Les gens qui m'ont accompagné dans la vision. Même aujourd'hui, Fatih, le président, il y a les gens qui l'ont accompagné. Moi, je vois sur Internet. Internet. Il y a le Vidi Mutimanga. Les gens qui l'ont accompagné. Aujourd'hui, tous sont récompensés. Bien aimé, la vision commence comme une aventure. Et moi, je serai dans le aventure-là. Crois cette aventure-là. Et soutiens l'aventure. Un jour, ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Lot a crié Abraham. Lot a libéré Abraham. Parce que Lot pouvait rester à la maison de son père, où il y avait la facilité. Là, il était en train de sortir pour aller. Il ne savait même pas où il allait. Mais il est parti. Si nous continuons à lire la Bible, qu'est-ce que nous allons voir? Que Abraham est devenu riche. Lot également est devenu riche. Dieu bénit les hommes au travers des hommes. N'attends pas que Dieu vienne t'élever. Même quand nous disons que l'élévation vient de Dieu, mais ne dors pas pour attendre que Dieu vienne t'élever. Dieu t'élèvera au travers des hommes. Crois la vision des hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Frère Chakwa, c'est un grand musicien. Il a un talent. L'église ne sont aucun des musiciens là-bas. Ils ont simbaté. Dans la bande d'église. Tu as regardé 2, 3, 4 personnes. Frère Chakwa, bande d'église. Tozo Kola, Tozo Kola, Tozo Kola. L'église est comme là, 100 000 personnes. Frère Chakwa, c'est un dégré. Tout le monde est là. Il y a un passe à tout le monde. Tozo Matanze la moko. Bien aimé. Ne blague pas avec la vision. La vision, c'est même la vie d'une personne. La vie d'une personne. Au moment où la maman est là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle maman à côté de Koni, à côté de Makala, à côté de Mouba. Famille, je ne sais pas si je suis en bon côté. Maman a joué avec sa famille. Un jour, un jour, à Koko Mamoto, elle croit à la vision de cet homme. Je ne sais pas si je suis en bon côté. Je ne sais pas si je suis en bon côté.
papa a commis mutambongo. Vie à maman est changée. Pourquoi? Parce que la maman a crié à la vision. Le monsieur lui disait, Marie-Jeanne, Bandaga Kimia, aussi sa classe. Laisse-moi vous dire quelque chose. La vision, et moi, c'est... comme un bus et ça, comme tout, hein? Qui quitte un point A. Oui, le point A. Suivez très bien ce que je dis. La vision, et moi, c'est comme un bus. Et le, comme tout, hein? Le bus commence d'abord par un point A et le point, point... pour aller vers un point B. Pour le point B, c'est le terminus. Point B, c'est ce que... Amen. Bus, c'est le roi. Et ça, on va la chauffer et Yemoko. Amen. Yemoko chauffeur. A même été. A ce soir. A comme la première arrêt. A Zuibat. A comme la deuxième arrêt. Bato a Zouaki Moussou a quitté Moussou a Tikan. A comme la troisième arrêt. A Zuibat. Moussou a quitté. A Zouaki Neka Randengoan. A encore la victoire. Majorité à battre, ceux qui n'ont plus mal à 100 personnes, des fois 80 descendent à victoire. Le bus devient presque vide. Arrivé à Port-Kassavou, les gens remontent encore. C'est ça la vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Papa Obandi Église Yomoko. Batou Pakoya Komata. Bakoti na vision. Bis une vision. Oh yozo mema, yo chauffeur. Ma côté la première arrêt. Robani kokende na bango. Tant qu'on commence la deuxième arrêt, ba musu ba moni vision au clair te ba kiti. Ici là bas. Mais ba musu pe ba mati. Ba musu mati. Oso kende. Bise tondi. Mais keba. On kouta na victoire. Place ba kokite belé. Ba kokite belé la victoire. Kouta yé ba ndeko ba tudio sou ba kiti. Tika lika la sou na 4 personnes. Wana continuez cela, puisque la vision avance. La vision ne s'arrête jamais. La vision avance. Continue le chemin. Quand tu arriveras à Port-Kassavou, tu sais, alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Naïf, ça t'a passé beaucoup. Ozole la minute pour ma passager ma kiti. Oh ma zo kota baza ma passager. Ma moussou pa okeno ti na terminis. Mais ma moussou pa moukita na nzela. Oh la kiti na nzela. Kota la yete. Yo ta la liboso. Confusion zo avance. Pise zo kengwe. Pise zo kengwe. Ozo kona pour la partenaire a kei. Oko koufa pa ba yaya. Est-ce que vous comprenez? Surtout ma pasteur. Vous comprenez ma gamme? Oko be la avesi papa. On voit comme il souci. On va attaquer Belé. On va qui? La biswana. Na ma comme il a rien moko. 58 bakiti. Bis c'est fini. Hier soir tu ne vas pas tirer les coups. Bino a rien ôté. Pour qui t'as la bino? On t'a mis sur ton continuer. Voilà. On pousse à la bouquet. Ma comme il 120. Data. Ma pousse à la bouquet. Ma comme il 3000. Ma pousse à la bouquet. Ma comme il 5000. Côté le matin pour battre ma kiti. Toi tu as la vision. La vision avance. La vision ne s'arrête pas. La vision ne s'arrête pas. Jour n'a qu'à peine si marqué Moniseli. Dieu dira à Josué. Jusqu'à quand? Tim Colin. Il dira même à David également. Continuera-t-il à pleurer sur Saoul? Continuera-t-il à pleurer sur Moïse? Il est descendu. Tu apprends les puces. Avance. Jusqu'à là. Frère, on a l'aura à l'église. Hein? On met ta maçonne et pourquoi? Hein? Pas mon élaka. Pourquoi ça n'a yé? Y'a sa kita. Mais c'est ça qu'elle met. A tout ça qu'on m'a. Ah! On se dit papa Benoît Zanier. A ça qu'elle met papa Benoît. Alléluia. Amen.
Bien aimé, aligne-toi derrière la vision. Et sois fidèle avec les gens qui ont la vision. Alléluia. Amen. Nous voyons quelqu'un. Ruth 1:16. Ruth n'avait pas de vision. Ruth a qui demande ce n'était. Ruth était une descendante d'une tribu maudite. Ruth a ça qui n'est pas qui t'a dit. Moabite. Je ne pas qui est laquelle m'a dit. Bah Moabite. Les Moabites. Bah Moabite. Mais qu'est-ce que Ruth avait fait? Ruth a ça qui dit. Ruth va dire à Naomi. À qui comme ça Naomi? Naomi dit bon moi je pars. Parce que Naomi avait une vision. Naomi a une vision. Elle ne pouvait pas se déplacer sans avoir une vision. La vision c'est comme un couturier. Et il dit tomber la libaya. Et ça la boue. Donc le couturier a une vision. Alors Ruth avait, Naomi avait une vision. Naomi a une vision. Je dois rentrer chez nous. Non, c'est là ça. Où Dieu va me restaurer. Pour c'est là où Dieu va me changer ma vie. Ça mais Ruth dira à Naomi. Alina Naomi. Maman Naomi. Maman. Moi je ne reste pas. Non, aussi, la terre. Moi je m'attacherai à toi. Non, ton Dieu sera mon Dieu. Sambé ton peuple sera mon peuple. Donc moi, Ruth, j'entre dans ta vision. J'entre dans ta vision. Quand tu dormiras. Je dormirai. Et je suis rentré dans ma vision. La conscience de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Vous connaissez la suite de Ruth? Vous avez suite à Ruth? Aujourd'hui, tout le monde parle de Ruth. Et le matin, sur le matin. Si Ruth n'était pas aligné, son Ruth a côté de mon côté. À la vision de Naomi. Et mon Seigneur Naomi. Ruth, jamais personne n'allait parler d'elle. Mon temps quand on a commencé, elle a été. Alléluia. Amen. Il faut croire à la vision. Et ce qu'on dit est la émonisse. Il faut avoir confiance à la vision. La vision de Naomi. Émonisse de Naomi. Et pourtant Naomi était dans toute sa faiblesse. Naomi a été dans votre terre. Sans enfant, sans mari, humanité, pauvreté. Elle avait une vision. Azaki le émonisse. Yoka bien aimé. Vision est comme une bande de faiblesse. Mais quand la faiblesse est en côté, quand la faiblesse est en côté, équipé vision. Merci, docteur. Puisque nous sommes dans le pas de Jésus-Christ, nous sommes là de son appel. Il avait une vision. Pierre a crié en lui. André a crié en lui. Jean crie à lui. Tous les apôtres ont crié à lui. Même Judas Iscariote a crié à lui. Mais quel nous dit la Bible? Il n'avait ni beauté, ni éclat. Tout le monde le regarde. Mais en lui, il avait une vision. Mais ceux qui ont crié à lui, ils sont devenus grands. Pierre est incontournable aujourd'hui. Pierre est incontournable aujourd'hui. Puis ils ont crié à une personne qui n'avait ni beauté. Il ne pouvait pas attirer le regard. La vision est dans le cœur. Et mon discernement, et ça n'a monté ma yabota physique. Attends, c'est une carte. Si la bite m'a loué, car la bite n'a pas. Si 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 la bite n'a pas. Français. Est-ce que Yesu n'avait pas dit français? Yesu a dit que nous avons ramené. Maintenant, comment on a dit Yesu? Les français. Les français. Bah, français, on va libérer Yesu. La chinouma, pète à mon gars, moi, n'est tout. L'aigle-là. L'aigle-là. Otali, prophète Isaac. Il est le pasteur. Il est moto à l'arrière, dans la macolo. Dans l'église, on est au caracou. L'église, on est climatisé. L'église, on attend que ce soit vision Satan, les a insultés.
Mais où y a lié? Il y a un homme qui vaut mieux la fin d'une chose. Que son commencement. Quand nous prions là-bas à Aseka, les gens, bon, ça c'est chacun prend à sa manière. Mais moi je n'entre pas dans les polémiques. Mais Aseka que vous voyez là, quand nous avons commencé à prier là-bas dans les années 86, ma fou moutant, bien aimé, tous les gens ensemble, ma belle, ma belle. Nda kumoka muke to zobe na mokave. Neti permanence ya muke. To sape la ka a la belle étoile. Polele. Mutu mwa wako mti mate ya seka mwa zami neza. Ya la bimu mutu na mutazwa nina lini. Puisque moi, on m'a pas raconté. Moi-même bien aimé. J'ai entendu les prophéties que Dieu donnait sur cet endroit-là. À partir d'ici, de cet endroit, moi, Dieu, je vais attirer les regards de tout Kinshasa, de tout Congo, vers ces lieux. Ngai na yoka ma, ngai ba mete la ngate pour la ki mutwa kati. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on parle de Aseka. Le lot tout seul de Aseka. Tout le monde parle d'Aseka. Donc quand on a ma polémique, t'es ma logique. Qui ne connaît pas Aseka? Il n'y avait rien pour attirer les regards. Avec beaucoup on a prêché en Chilouba. Moi je ne suis pas Moulouba. Mais j'ai crié en lui. Mais les gens me disaient. Et le moment que nous avons l'église à Balouba. Là c'est la vision qui m'a attiré. C'était la vision qui m'a attiré. Et c'est bon ici le cas. Aujourd'hui même le président, Denis Sassou Nguesso là-bas, Kabila, le père, le fils, Tshisekedi, tout le monde connaît ce Mukuna, connaît ce Aseka, puisqu'il y avait une vision. J'ai bien dit que je n'entre pas dans les polémiques. Alléluia. Moi j'ai crié en lui. Pendant les moments de faiblesse, j'ai appuyé la vision. Écoutez bien aimé. Quand je suis venu, j'ai trouvé des nattes. Non, il n'y avait même pas de nattes. Je vais soutenir la vision. Je ne peux pas parler de tous les bienfaits que moi j'ai fait dans cette vie. Mais aujourd'hui, Léno, comme je suis là, même maintenant là, si je prends mon téléphone, je n'ai pas l'argent. J'appelle le fait Moukouna. Papa, j'ai besoin de 2 dollars. Puisque c'est déjà appuyé cette vision. Pour aïe, il y a tout le monde. Appuie la vision. Soutiens la vision. Ça, c'est l'alignement dans la vision. Mais pour terminer, je peux parler bien aimé de la vision dans la vision. Frère Chaco, nous avons bataillé ça déjà. Que vous allez mourir de mon aimé. Mon kill m'a mégoyé. Est-ce qu'il faut aller à la première là? Mon kill m'a mégoyé. Chaque doit s'aligner dans une vision. Il y a la côte à l'immune ici. Pasteur Isaac. Ah, mon achat. Il y a la côte à l'immune. Alléluia.